La grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. À lui, toutes nos acclamations, à lui, notre louange et notre adoration. Nous allons donc le célébrer en exécutant sur le cantique, le recueil de chants qu'il t'a dit, au cantique 12. Cantique 12, avec le rythme de la chorale, si c'est possible. Onzabi Pungubutu Yindulang. Kanangeme kusava nzimbu, ngeke bula maboko, meyake nzimbu, beto mupanse mingi me kusava. Unzambi po.
Beto ke kuvanda, nous asseyons et nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous te célébrons, toi le Créateur du ciel et de la terre. Nous venons de le lire. L'Éternel, oh, la terre, le ciel, le monde, ceux qui sont dans le monde, tout ce qui est dans le monde, t'appartient et c'est sous ton contrôle. Nous pouvons donc nous réjouir, Seigneur, d'avoir un Dieu aussi puissant, un Dieu aussi grand, un Dieu fort, un Dieu redoutable. Tu es l'Éternel Dieu des armées. Devant toi, Seigneur, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous pouvons t'élever et te célébrer avec assurance en ces lieux, parce que tout va être soumis à toi. L'esprit, l'âme, le corps de chacun de nous. Et tout ce qui est ici, Seigneur, ce qui est visible comme invisible, Seigneur, est sous ton règne. Tu es le Dieu qui règne sans partage. Merci donc, Seigneur, d'être à l'œuvre maintenant. Que les portes, Seigneur, s'élèvent. Les portes de toute croyance contraire à ta parole, à ton évangile, Seigneur, que ces portes s'élèvent pour que le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, entre et règne en ces lieux. Merci Seigneur de ce que toi qui es trois fois saint, tu veux que nous soyons saints dans toute notre conduite. En nous examinant Seigneur, tu nous vois tels que nous sommes, sans faux fuyant. Seigneur, toi qui sondes les reins et les cœurs, tu connais ce que nous sommes. Mais nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons failli. Nous n'avons pas toujours été des enfants dociles, soumis, obéissants. Nous n'avons pas marché dans la sainteté. Nous n'avons pas une vie de consécration. Nous te demandons pardon. Merci pour le sang que Christ a versé à la croix pour que nous soyons réconciliés avec toi. Seigneur, que rien ne fasse obstacle entre toi et nous. Accepte-nous, Seigneur, à cause du sacrifice de Christ à la croix. Merci, Seigneur. Et puisque tu nous as pardonnés, et puisque tu veux que tous ceux qui t'adorent, t'adorent en esprit et en vérité, Seigneur, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la manifestation du Saint-Esprit en ces lieux. Père, prends le contrôle de toutes choses. Que le Saint-Esprit inspire tout, Seigneur. Merci d'apposer ton sceau sur tout ce qui va se faire ici, sur l'officiance, la louange, Seigneur, que les groupes vont élever, les prières que nous allons élever vers toi et la parole qui va être proclamée en ces lieux. Seigneur, intervient pour que la gloire et toute la gloire reviennent à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Nous allons à présent glorifier le Seigneur en commençant par le Kilombo. Nzimbo Mossi. Kilombo Nzimbo Mossi, juste après la chorale. Lumbu kya lembo, muva na kembo. Kwanza miseto, fumu ya kembo. Utumwe sese lumbu kimu kenda zanzi. Mika twa tonda kwa fumu mumu lembo. Lumbu kya lembo, muva na kembo.
Dire merci au Kilombo, merci à la chorale. Vous avez ngé mon yim même na ko boul maboko. C'est pas ngé sal bien, ba me yim bien. Boul maboko. Où est le bal? C'est gratuit, c'est même pas payant. Beto kekuwa luzolo ya nzambi. Beto kina kufinama na momo ya beto bina beto kubaka kaba 5 minutes. Nous allons nous approcher donc de notre Dieu, lui qui nous donne ce temps. Écoutons ce qu'il nous dit. Lorsque tu mangeras et te rassaseras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance et la puissance de ma main m'ont acquis ces choses. Mampianzambe. Tu n'entends que kudia, ngeme ku fuluka. N'entends que vana ba inzo ya kitoko. Kuzimba nave kuvutula matondo na tatanza. Kuzimba nave tatanza. Ile me ku pesa nge insi ya mbote. N'entangu ngeke kudia. Nantangu ngeke kuzwa ngeme kuyukuta ngeme kutungu bainzo ya kitoko ngeme kuzoba bimi ambote mbongo kena kutona mumbungu kena kukwenda na mantuala bima mingi babana kena kuresi na bazetude tatanzambi kena kuzonza a angel kuzimba na ve kuzonza ve na ntimi ange ningoli ya mumosi ngoli ya munu ningoli ya mumu tumesalke mukuzoba bimi yae oui. Tu as travaillé, c'est bien, mais à celui qui donne la force. Celui qui a permis que tu aies le souffle de vie. Quand il y a un coupé ça, il y a un souffle de vie, malgré les initiatives, malgré le sol, il y a un attaque qui m'a Zola Kusala m'avait. Mais comme il est bon, il a accordé, il a fait de grandes choses dans ta vie, c'est le moment de dire merci à notre Dieu. De reconnaître ses bienfaits pour ne pas l'oublier, comme il a dit ici. Prends garde d'oublier ton Dieu. Beto ke kuvanda ve baina ke ingrat. Mais nous sommes de ceux qui reconnaissent les bienfaits de Dieu. Si donc tu es ici et tu as contemplé les bontés de Dieu dans ta vie, c'est le moment de venir dire merci au Seigneur. Si le Seigneur t'a accordé une année de plus, depuis mardi, lundi, donc mardi, Tibouyaï, je me suis fêté l'anniversaire, et ça peut même être ton fils, je me suis fêté l'anniversaire. Na
babima nyosenge mekutambula na tata nzambe singe kina ko reconnaître que yandi mekusalenge diambu ya mbote tangu ni yayi betoke ku kuiza na tata nzambe na kuvutula yandi matondo kuvutula matondo betoke kuyimbila d'abord deux strophes ya 828 kintwadi samtien ke kundi ya mbote ina manyima choral ke kuna tabeto na kunga ya adoration e ina muntu muntu non c'était pas la le moment de vous m'excuser c'était pas la prière de consécration c'est la prière plutôt ce n'est pas le moment d'action de grâce ni moment ya ku ba 5 minutes ya betya lusambulu betke ku fina manata tanzambi na kusambila na kuzitisa yandi Samna mbote yani mekusala na beto. Les 5 minutes c'est après tout à l'heure. Merci beaucoup. Je suis allé très vite. Betke ku reconnaître les bienfaits ya tata nzambi. Mais betke ku finalement pena yandi na kulomba ti tata nzambi. Diambu ya ingezo nzaka na bunia ilama. Diambu ya muki na vingilaka sa fait des années buya imusola kutala buneni yange. Yani kere kundi ya mbote. 828 Kintwadi, deux strophes. Ngena konde ukuzolanga. Ngelenda kutelama. Ngelenda kufukama. Ngena konde ukuzolanga. Kusika mfumu yange. Kulomba na ngiyande. Yani kele mfumu yange. Ewe na yami muka. Yo!
Zambi, Yambu Yange, Yandike Kusala. Nzambi ya zola, nzambi ya mbote, nani mefwana kana nange tata nzambi. Kerika nani kele mchindunge, malgre bapasi ya beto, malgre manyongo ya beto, malgre mvindu muka ya beto, oho tata nzambi, ngeke na lakisa beto zola yange. Kerika ngeke la nkunzi ya mbote, ngeke la nkunzi ina, kena kukeba kabeto. Ngekele nkunzi ina. Kena kutuasa kabeto. Ngekele nkunzi ina. Kena kutela kabeto. Tata, beto metonda nge. Beto metonda nge samu nge mekuzula beto. Ui tata nzambi. Kilokola ya inge mezaba muntu na muntu. Mutidu ya nimekwisa na mantuala yange. Ina kena kukuamisa ba yange. Tata nzambi ni kulomba nge na kusarisa. Tata nzambi ni kulomba nange na kuyala luzingu ya mtu mtu inabame kuisa na bandari kulunzi yange beto nyonso beto zola tela nge tata nzambi monokoswa yange beto zola chiki mfumu yange Kristo Yesu ya kumonika batata mekuiza sosange bamama mekuiza sosange Kristo babantu mebika bayinzo ya bau na kuisa buwabu nange kedika inabetike tanga mambu ya nzambi ikeleve na muntu mekuza buwa bwana nange na mefutuka mchindu ina samutinge kele kundi ya mbote na nyonso inakena kwa misaba yange ni kulomba nange tata nzambi na kuzibu dila beto mazulo ngeti ingelenda bika betofe kelko soba mpasi ingelenda bika betofe
Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Nanyonso mchinge mezonza na beto, beto futuri lange matondo, kerika tata nzambi, beto kele na kivuvu, kwenge Yesu nge kebika betove. Kumbu yange bika ya kukembo swa na kilokola yai. Pebika nkumbu yange kuzitu swa, tatamana kusala, tatamana kumunika na muntu muntu, samutinge kele nzambi ya zola. Kerika Yesu, nina nkumbu yange beto mesambila. Amen. Nous pouvons nous asseoir, nous qui étions debout. La parole de Dieu dit, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est donc une joie, après une semaine, de nous retrouver encore en ces lieux. Non par habitude, mais parce que nous savons que c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Nous voulons souhaiter un bon retour aux serviteurs du Seigneur, Papa Guy Moïse, et c'est aussi lui qui a la charge de nous accueillir tous. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Papa Kuzna Kiyengi Amfumu, Tatanzambi Kusa Kumunange na Kusa Dilange. Kanzambi zitu swa pe kukembo swa na tangwina kisielu nzambi tata kengi Jacques kena kufungula kile kole beto yanmekukui sabeto ndinga ya David qui est en train d'ordonner aux portes ya kufungula miel ya usamuti fumu inajidika kazulu na toto. Et Elohim, qui a appelé les choses visibles et invisibles à l'existence, Adonai, le Seigneur, celui qui a toute autorité, celui qui n'est pas établi dans les temps, Zambi Abetonaki éternel, et David dit, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Alors si nous étions un bon modérateur, nous devons dire que je vous annonce l'entrée triomphale du Seigneur dans cette salle. Alors si le Seigneur est en train de rentrer, qu'est-ce que le peuple de Dieu devait dire en retour? C'était des acclamations, bénir le Seigneur, acclamer le Seigneur parce que Dieu fait son entrée. Vous voyez, nous avons réellement un problème, un grand problème. Je ne sais pas, nous devons passer par quelle école. Voyez, le roi David, c'est pas n'importe qui, le roi David est en train de nous annoncer la rentrée du roi de gloire. C'est-à-dire que le Dieu Tout-Puissant, Elohim, Adonai, Jéhovah Jireh, Al Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, il dit, porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Et le peuple de Dieu est en train d'acclamer comme si c'était juste, c'est pas possible. Le roi de gloire est en train de faire son entrée, l'entrée triomphale du roi de gloire.
Celui qui a appelé les choses visibles et invisibles à l'existence est en train de faire son entrée. Le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant est en train de faire son entrée pour guérir les malades, pour délivrer les captifs, pour restaurer les hommes, pour consoler les affligés. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le bénir? Lui qui dit et la chose arrive. Lui qui ordonne, la chose s'exécute. Comment ne pas l'adorer? Gloire au Seigneur. Celui qui règne au siècle des siècles, celui qui nous révèle sa volonté. Et la Bible dit, la volonté de Dieu est que tous nous puissions vivre éternellement et que tous nous puissions parvenir à la connaissance de la vérité. Et c'est par le biais de cette vérité que nous pouvons avoir la foi pour voir et contempler la gloire de Dieu. Jamais personne n'est venu à Dieu et soit reparti sans trouver gain de cause. Dis à quelqu'un, tu vas recevoir le bénéfice de ta rencontre avec Dieu. Dis à quelqu'un. Dis-lui, tu vas recevoir le bénéfice de la rencontre avec Dieu. Est-ce que tu peux le saluer avec joie tout en lui souhaitant que Dieu te bénisse, mon frère? À Jésus. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il dise amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons dire bon accueil. Na bahuna mekuisa kaka mbale ya tete. Kaka bubia ngi mekuisa lelo kaka osi ko yaka soko zakuna. Esko tombola loboko nayo tuling tombona yo. Baza ebele. Toza na esengwa ko mona bino katikati ya miluluto yalianga nyoyo tikete nzambe ya pambola yo oyo nzambe lakaki yo nzambe azela ndeko pesa yo yango bika nzambe sakumunange alo yandi na mevwa na kote yandi zona yantu a bien fait de venir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la présence de nos frères? Gloire au Seigneur. Linko tombo la koya malamu na kilombo 46 boya malamu bika nzambi fungula ben mazulu ya yandi mikungi ya ben vwanda mbote na makuju ya tatanzambi pe nzambi pesa mosi mosi na beno inangeke lomba na yandi que Dieu vous bénisse ngizulu ya mbote na koral centre ya mukondo na bino pe boya malamu ti kaite nzamba pambo la bino. Le yemo na bino za la kitoko na bato ya nzambe. Biso pe to zelande koyoka yango pe to sepela. Nzambe ayoka losamo la bino pa pesa moko moko na bino oyo ya kaki bino. Tolobi koya malamu na ba onyo surtout baza na ba commission. Nzamba pambo la bino na bisika obofandi. Tolobi koya malamu na maison Christ roi. Oya malamu. Nzamba pambo la bino. Nzambe azilande ko pesa bino oyo nyonso boko senga nae. Que Dieu bénisse, qu'il bénisse la maison Christ roi. Aussi, nous vous disons la bienvenue dans le département synodal et évangélisation permission, na bino tout boya malamu. Nzambe pambo la bino. Nzambe azilande ko yoka losambo na bino. Tolobi moko ya malamu na papa Jacques, le diacre Jacques Kangulu, ya kamalamu, nzambe pambo la yo. Boya malamu na mumbu wa Nzambe, l'évangéliste Pierre Lulendo wa Nzambi, na mwasi nae, boya malamu,
zamba pamola bino na bino tout olobi boya malam o fanda 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 na bolembu nyoso fanda que le Seigneur te bénisse. Amen. C'est le moment où nous voulons encore célébrer le Seigneur. Nous allons commencer par le Kilombo. Si mes salles ben ici, ben me après, juste après la chorale. Merci. Kilombo. Ngemesa nzimbo, yimbila na Kilombo, yangalala. Yale tonga inonge. Yale tonga inonge. Inong sana seso. Asha inong zibwe. Yale tonga inonge. Go!
Gloire au Seigneur. Chorale.
Mukuba kan luangulu yilwe bayame. Zola zami fumaku, zola waya kumutu mutima. Mukukota luangulu yilwe bayame. Zola zami fumaku, zola waya kumutu mutima. Mukubaka luangulu yilwe bayame. Zola zami fumaku, zola waya kumutu mutima. Mukukota luangulu yilwe bayame. Zola zami fumaku, zola waya kumutu mutima. La mukana unzambi Watutanga mabuso Mabusole gani kwabu Sola waya kubishiza Kukutikalila Mami mami tala mukanda unzambi Watutanga mabuso Mabusole gani kwabu Sola waya kubishiza Kukutikalila Sola waya kubishiza Sola gani kwabu Sola waya kubishiza Kukutikalila Biklang baya kubu Biklang gani kwabu Sola waya kubishiza Oh mami mami tala mukanda unzambe Oh mami mami tala muri bunguli nzambe Muri bunduli tbimbi kambwe Morning by you lose a load. And yet that morning by you lose a load. Jetta Pastor, morning by you lose a load. Simba lose a load. Kamblu solo jemba usiale ye ye mame jemba usiale ye mame jemba usiale ye mame jemba usiale kamba solo jemba usiale mame jemba usiale chilom chikwiza is mwana nzambe mukulanda babo buzwa sare ni mucheleka boba ye Mame, jemba usiale, mame, jemba usiale, 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 Mame jemba usiale, mame jemba usiale, okamblu solo jemba usiale, mame jemba usiale, mame jemba usiale, mame jemba usiale. Yeah, we'll be in a couple.
Alléluia, musique. Vous qui n'avez pas la guille qui veut, quand on est bien avec les suspects, ce qui te colline, y'a solo. Alléluia. Oh, y'a solo Kembo. La bueno va vanga manzambie yeah Luizi no la mona bueno bi mangu bianzambie yeah ya mfumu yisu ambote yeah bimbe vopika wangula yeah sakumuna kasa kumuna beton de fille tuta jiji ya musa di lanzambie et ton défi tout à titi ya ya mubungu rien zambie ya ya mfumu yisu wambote abimbe vopika wangula ya ya sakumuna kasa kumuna le kumite ma nzambela ya le kumite ma nzambela ya oh, les comités mal, les comités manzambela ya. Les comités mal, les comités manzambela ya. Ah, ya wenga otema. Ah, ya wenga otema. Oh, ya wenga otema. Ah, ya wenga otema. Ah, otemo, oh, otemo, ah, otemo, ah, otemo, lelo, lelo, lelo ezali lelo, 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 lelo nzamba kosala. Moyina yo, lelo ezali lelo yo, lelo lelo, lelo nzamba kosala. Yemba ye, ah lelo lelo. Oh na libota na yo, lelo ezali lelo o, lelo lelo, lelo nzamba kosala. Yosamolongi. Oh, to yemba elonga. Zambe nangaye longa. Gloire au Seigneur. Je ne mourrai pas, je verrai la gloire. Oui, oui. En tout cas, après des moments comme ceux-ci, des moments de louange, d'adoration, même si nous avons dit Simbavé, ah, bien, il faut
Dimension, moi, c'est intercession en gros, hein. Bon, mais il y a que quiz. Tout à l'heure, vous avez vu que j'étais allé très, 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 très vite en besogne. Vous avez déjà lu des textes de Deutéronome au chapitre 8. J'ai lu le verset 10, le verset 11, 12, 13 et puis le verset 17. Où le Seigneur nous interpelle pour que, où il nous met en garde pour ne pas l'oublier et ne pas penser que c'est par nos propres efforts que nous pouvons arriver à tel ou tel exploit. Mais c'est par sa grâce. Et c'est pourquoi nous devons lui dire merci. En fait, c'est parce que le Seigneur a fait de grandes choses. J'étais tellement content que je voulais déjà, bon, dire merci au Seigneur. Et c'est le moment donc où nous allons dire merci à notre Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans notre vie, pour tous les bienfaits que nous avons reçus de lui, pour une année de plus, pour les portes que le Seigneur a pu ouvrir dans notre vie. Nous allons bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Donc, si vous avez fêté aussi l'anniversaire, vous avez fait aussi l'anniversaire. Pendant que le choral est en train de se faire, il a fait aussi l'anniversaire. Si vous avez fait la chaise aussi, vous avez fait ça. Et puis, vous avez fait la chaise. Vous avez reconnaître le bienfait en fumo, tant qu'on y aille. Tu sais ce que le Seigneur a fait pour toi. Le texte que nous avons lu dit, quand tu mangeras, quand tu te rassasieras, parce que Alléluia. Notre Dieu merveilleux mérite notre louange, notre adoration et nos actions de grâce. Thank you.
je nous invite, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'acclamer le Seigneur, d'applaudir le Seigneur pour ses hauts faits, ses bienfaits. Gloire au Seigneur. Merci. Bien-aimés, vous avez bien fait de venir dire merci au Seigneur, parce que ce n'est pas de façon formelle que vous le faites, mais vous savez du fond de vos cœurs qu'est-ce que le Seigneur a fait en votre direction. Yakele na zulu zulu ve benome kuza futula matondo me benome bakuna na nshantima ya beno wapi mambo ya mbote nzambi mesali la beno betke tangeno mambo ya nzambi na manima betke swete joyeux anniversaire na bampangi na mekukuma na mvule ya nkaka na kizingu ya bao bema nzambi giki la bao kilumbu ya mvule ya nkaka en tout cas betke swete bao joyeux anniversaire. Nous allons d'abord lire ce texte, psaume 103. Les versets 1 jusqu'au verset, nous allons terminer jusqu'au verset 5. Lisons donc psaume 103, les versets 1 à 5. Lisons au nom de Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme l'aigle, parole du Seigneur. Amen. Mais que ça la commentaire V. Mais mon tu ya et mes abiens, David, le roi. Ya de mes talents qui sont yayan. Quels sont les bienfaits que Dieu lui a accordés. Ya de mes onze à mon âme. Béni l'Éternel. Beno ni David. Ya qui l'okula ya. Beno baka place. Ya David na mambu ya. Beno qui la koutala les bienfaits. Ya n'a jamais sa dit la ben. Ba yan kaka benu vandina bimbev. Za minya ki sa ben. Ba yan kaka pevia yimbi vandiku kwa mi sa ben. Za me delivre ben. Ba yan kaka benu vandina ba sushi ya moutine na moutine. Za me yiti ki la benu ba miracle. Oh, parmi vous, des frères et sœurs étaient malades. Dieu vous a fait grâce. Vous a accordé la guérison. Ba yan kaka vous étiez perturbé par les démons. Le Seigneur vous a accordé la protection, la sécurité, la délivrance. Il y avait des cas difficiles qui vous dépassaient. Le Seigneur a étendu sa main sur vous. Et il y a accordé un miracle. Comment ne pas dire merci au Seigneur? Parmi vous, il y aurait des frères et sœurs, peut-être qui devraient perdre la vie à cause de leur mauvaise conduite. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, sa bonté, il y a comment ne pas dire merci au Seigneur? Enfin, parmi vous, des frères et sœurs, ont bénéficié de la part du Seigneur une année de plus, une année de grâce sur leur vie. Ils sont là pour dire au Seigneur, en tout cas, Père, merci. Est-ce que parmi vous, frères et sœurs, il y en a ceux ou celles qui ont bénéficié de cette grâce de la part du Seigneur? Est-ce que Betulinda Burila Tata Nzambi Maboko Yina Mesa Kumuna Bambandi Abeto? Gloire au Seigneur. Nous allons tous nous lever, nous ici au pied de la croix, nous ne sommes jamais jaloux ni égoïste. Quand Dieu fait des bonnes choses dans la vie des uns des autres, ni na munu yandi mesadi la yao. Ou talabampang yawa, ni munu pe mume quiz, parce que nous sommes un en Christ. Alors, Coran, Nzimbo, ya joyeux anniversaire. Mon frère, ma soeur, nous te souhaitons joyeux anniversaire. Si depuis ce matin, tu n'as pas reçu de joyeux anniversaire, mais nous, ta grande famille, nous te le disons. Sois dans la joie. Joyeux anniversaire à toi, frère, sœur. Alléluia. Nous fêtons ensemble avec toi. Nous nous réjouissons ensemble avec toi. Yeah.
que c'est beau d'être enfant de Dieu. Amen. Nous disons merci au Seigneur d'avoir permis à notre Père, l'évangéliste national, de se déplacer au Togo pour la mission du Seigneur. Et nous avons vu les images, comment le Seigneur l'a utilisé puissamment. Et depuis quelques jours, il est dans nos murs. Et ce soir, c'est lui qui va nous prêcher la bonne nouvelle. Nous disons au Seigneur, merci d'avoir amené et ramené ton serviteur. Amen. Amen. Nous allons prier. Zambitata. Matondo. Na yinangeke nzambi yina mesola beto. Na kutala nzanda ya bantu yai. Ina me constate ba mambu ya mbote na kizingu ya bao. Ina me kuiza au pied de la croix. Kishika ni bavu andiki nyong. Bavu andiku dila. Setele mwona benzo ya bao mpe. Menge nzambi kuwaka don le secret. Enge me vutu dila bao ba mvutu. Seigneur, tu nous aimes tellement et que tu ne peux pas nous laisser pleurer à tout moment. Voilà pourquoi, ô tendre Père, nous joignons à nos bien-aimés frères et sœurs. Nous voulons te dire merci pour tes bienfaits à leur égard. Qu'il te plaise, Seigneur, de continuer à les bénir. Qu'il te plaise, Seigneur, de continuer à leur faire du bien dans les jours à venir. Merci pour ton serviteur que tu as mené et que tu as ramené, sain et sauf. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bienfaits. Oh Dieu, manifesté pendant son service au Togo. Il y avait Dieu, merci pour les frères et sœurs qui ont reçu de ta part une année de plus sur leur vie. Fêtons en ce net moment leur anniversaire. Nous nous joignons à eux pour dire à toi Seigneur, merci car tu es bon, car ta miséricorde durera toujours. Merci pour des frères qui ont été guéris, qui ont été délivrés. Merci pour des frères et sœurs qui ont été bénis. Pour des frères et sœurs qui ont vu ta main dans leur vie de membres de leur famille. Ô tendre Père, comment ne pas te féliciter? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te magnifier? Ô Dieu, pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continueras à faire dans leur vie. Qu'il te plaise, Seigneur, de nous aider à rester attachés à toi, à demeurer fidèles à toi. Pour que nous puissions continuer à vivre tes hauts faits dans nos vies. Nzambi salisa kwa ndi beto na kutatama na kukeba kintwa dinange ngati kilumula kilumu ya kizingu ya beto beto kumona bimangu yange. Sois béni Seigneur, sois élevé, sois exalté, sois acclamé. C'est au nom et pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te bénissons. Que la grâce et la miséricorde de Dieu continuent à être votre partage. Dieu vous bénit. Amen. Kilombo chante et les frères pouvez continuer à bénir le Seigneur par rapport à ce que vous avez comme offrande en espèces ou en nature. Le Seigneur se souviendra de vous. Tatamana kusakumu na nzambi kanange kele na kimya kupesa kanange kele na diambu na kujiriki la nzambi tatanzambi kezimba na ngeve. Merci. Oye bikolo ba peko sala ngolu na zwina zana bomoi. Oye bikolo ba peko sala ngolu na zwina zana bomoi. Oh, anniversaire, oh, 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 anniversaire, oh, 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 Oh,
Deka. Merci. Nous allons à présent nous préparer à l'écoute de la parole de Dieu. L'écouter et la mettre en pratique. Nous avons suivi le lundi dernier ce que le Seigneur avait dit à cette femme qui s'était exclamée en voyant ce que le Christ pouvait faire. Cette femme a dit, heureux le saint qui t'a porté. Mais le Seigneur a dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Et c'est le moment de nous préparer donc à l'écoute, de disposer nos cœurs. C'est bien de mettre aussi nos téléphones sous vibreur. Et nous allons avec la chorale chanter le 794 dans notre cœur de chant qui nous dit Onzambi de Tosse. Yage kuvana mutindu lusambulu ya beto aussi na ku Kubama na kuwa mambu ya nzambi. Yeah.
Acclamez le Seigneur, acclame le roi. Gloire à Jésus. Tu vas reprendre ta place. Gloire soit rendue à Dieu. Notre Père qui nous aime d'un grand amour. Le psalmiste a raison de dire porte ouvrez vos linteaux. Élevez vos linteaux aux portes. Ibaka ya likolo ya bikuke et mata. Que le roi de gloire fasse son entrée. Mokonzi na nkembo akota. Que Dieu fasse son entrée. Tika ete nzambe akota. Dieu est là. Nzambe azali. Dis à ton ami Dieu est là. Nzambe azali. Dis-lui Dieu est là. Nzambe azali. Alors demande-lui d'ouvrir ses yeux spirituels afin qu'il puisse voir Dieu. Vois la présence du Seigneur. Vois combien l'atmosphère est remplie de la nuée du ciel. Vois combien les anges du ciel peuvent s'investir et remplir ce lieu de leur présence. Vois combien la présence de Dieu est manifeste ce soir. Je l'avoue et je l'atteste qu'un homme sera béni ce soir. Une femme sera bénie ce soir. Une famille sera bénie ce soir. Dieu va te faire du bien. Et tu vas rendre témoignage de sa déité, de sa fidélité, de sa puissance. Parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir.
Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu. Qu'il soit béni. Qu'il soit glorifié. Qu'il soit élevé. Qu'il soit acclamé. Qu'il soit célébré. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Que Dieu soit adoré. Amen. Amen. Notre joie est grande. De ce que en cette période éternelle est en train de nous accorder de faire sa volonté. De faire la mission qu'il nous a assignée. Il y a quelques mois, sinon peut-être quelques semaines, nous étions à l'Ekana. Et là-bas, nous avons implanté les nouvelles églises. Et le dimanche, juste après, tandis que nous étions ici, j'ai lancé l'appel, j'ai demandé si quelqu'un pouvait accepter de construire au moins une chapelle. Et une maman nous a appelé, je crois, du Canada ou bien des États-Unis. Nous a appelé des États-Unis d'Amérique. Et nous a dit, j'accepte, moi je vais construire le temple de Nkwa. Et elle a envoyé l'argent pour construire le temple de Nkwa. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Ce n'est pas toi que je suis en train de dire cette bénédiction, à elle qui nous croit, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tes entreprises, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu t'accorde tout ce que ton cœur désire. Mais nous avons encore le village de Kebara, d'Angama et de Mopimi qui, vraiment, il faut dire qu'ils sont même devenus jaloux parce que le chef du village de Kebara a dit, alors c'est pas possible, vous êtes passé d'abord par notre village avant d'arriver en quoi ? Alors comment vous pouvez commencer par un quoi? Alors c'est cette dame qui a fait le choix de construire un quoi. Et si ce soir il y a quelqu'un qui veut construire un gamma, alors je le crois que l'Éternel va te bénir. Que Dieu te bénisse. Si tu peux te lever promptement et venir nous voir et dire je vais construire un gamma ou un kebara. Et juste la semaine dernière, le département était à Boulankyo. Et là, ils ont implanté une nouvelle église. C'est hier que j'ai reçu encore des images. Ils ont rendu gloire à l'Éternel dans un champ, faut dire sur une surface où il n'y avait pas de forme. Et et là aussi, nous sommes en train de demander si quelqu'un est touché par l'Éternel. Dieu t'a béni. Viens construire le temple, la chapelle à Boulankyo. Nous avons besoin d'une église qui connaît une croissance effective. Et la croissance doit être numérique, c'est-à-dire quantitative, qualitative et organisationnelle. Une église qui ne connaît pas de croissance, Dieu abandonne cette église. Parce que notre église, sinon notre Dieu, est le Dieu de la croissance. Tandis qu'il a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, en les bénissant, il leur a donné l'onction de croissance, la vie. Remplissez la terre, multipliez-vous. J'ai eu l'avantage de participer à une campagne d'évangélisation au Togo. Nous avons eu 10 jours de campagne d'évangélisation. Il arrive à Brazzaville, nous avons besoin de faire une campagne juste 2-3 jours. Parce que souvent nous manquons toujours d'argent. Et là nous avons eu 10 jours de campagne d'évangélisation. Et nous avons compté
3213 convertis. 3213 convertis. Je pense que quelqu'un devait acclamer le Seigneur. 3000 ceux qui nous ont rejoints. Ceux qui nous ont rejoints désormais et qui sont désormais sauvés, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Ce soir, j'ai la ferme assurance que Dieu va nous parler. Cependant, avant que nous puissions, je crois qu'il y a 2 semaines, nous étions ici, nous avons dit que ce soir, nous aurons une collecte spéciale. Nous allons ensemble collecter un peu d'argent pour la construction de ce bâtiment que nous sommes en train de construire en ce lieu. Ça sera un grand bâtiment R+3 et nous allons ensemble collecter de l'argent avec joie. Nous allons le donner avec joie. Je crois que nous l'avons déjà donné, nous avons donné l'information et chacun de nous s'est préparé à préparer ce qu'il a bien, ce qu'il a pris la résolution d'apporter au Seigneur. Que Dieu soit béni. L'amour de Dieu nous environne. Et là où la présence de Dieu est manifeste, la puissance de Dieu descend. Et nous avons besoin que le Saint-Esprit de Dieu nous parle. Que le Saint-Esprit de Dieu nous enseigne. Que le Saint-Esprit de Dieu nous corrige. Que le Saint-Esprit de Dieu nous convainc. On ne veut pas entendre la voix d'un homme, mais la voix du Saint-Esprit. Que l'Esprit qui parle au prophète nous parle maintenant. L'Esprit qui a parlé à nos pères puisse nous parler maintenant. Élève tes deux mains. Que le Dieu puissant, le Dieu de gloire, le Dieu d'amour, remplisse toute cette maison de prière de sa présence. Je vais demander à un choriste, il va nous conduire, nous allons répéter plusieurs fois Finamaosé. Celui qui a une belle voix qui... Parce que moi, je n'ai pas une belle voix. Si je commence, c'est sûr, je vais sortir. Ça, c'est sûr. Je vais chanter faux. Rien que Finamaosé. Nous allons répéter Finamaosé. Élève tes deux mains. Le ciel va s'ouvrir. La puissance de Dieu va descendre. Ceux qui ont reçu la grâce de Dieu d'entendre la voix qui parle au prophète vont entendre la voix du Seigneur. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Je
chante, 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 chante. Watuilanga. Yeto kwa kuye si toi kuziti sa que l'esprit descende la maose chante puissant Judas style donne car le stop la de la fada de Judas style Judas style Judas yeto kwa kuye comme un ange du ciel descend. Judas, Tan Fada, Judas. Tu ilanga, la yeto fe, la yeto wabuye. Présence. Maintenant, souffle sur nous. Souffle, Seigneur. Souffle, Seigneur. Souffle, Seigneur. Souffle, ô Dieu, souffle. Souffle, Seigneur. Souffle, souffle. Souffle, Seigneur, du vent de la Pentecôte. Souffle, oh Dieu, souffle, 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 souffle sur nous, Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Tu vas reprendre ta place. Gloire au Seigneur. Ce soir, notre thème. Le thème, tu nous donneras l'avantage de saisir la volonté de Dieu. Et briser les liens et les malédictions. Briser les liens et les malédictions. Avant de lire notre texte, vous savez, tous les chrétiens du monde se considèrent être bénis. Mais il n'est pas rare de rencontrer un chrétien
qui n'a jamais connu de succès. Il n'est pas rare de rencontrer un chrétien qui souffre, qui n'a pas d'espérance, qui n'a pas d'espoir, qui n'a pas de rire, qui n'a pas de joie. Il n'est pas du tout rare. Mais pourtant, il atteste qu'il est béni. Donc ce texte que nous allons bientôt donner lecture, nous allons nous rendre compte que nous pouvons être vivants. Mais malheureux. Vivant, mais possédant les signes de mort. Je m'en vais nous demander de prendre nos Bibles. Et nous lirons un texte bien connu. L'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Chapitre 11, verset 40 à 44. Jean 11, 40 à 44. Lisons cette parole au nom glorieux de Jésus. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Et dit, Père, Tata, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauceras. Mais j'ai prié à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Brisez les liens et les malédictions. Un homme était tombé malade. C'était Lazare. Lazare est malade. De quoi souffrait-il? L'évangile ne nous révèle pas de quoi souffrait Lazare. Je me réserve de spéculer. Non, je ne sais pas de quoi il souffrait réellement. Lazare, l'ami de Jésus, est malade. Comment est-ce possible que Lazare, qui est l'ami de Jésus, en lisant la Bible, mes amis, dans le Nouveau Testament, si de façon singulière des hommes ont été prononcés que Jésus les aimait, j'ai compté deux. Le premier, Lazare. Le second, Jean. Yohane. Le disciple que Jésus aimait.
Il est vrai que Dieu nous aime tous. Mais de façon personnelle et singulière. L'évangile dit Jésus aimait Lazare. Et Lazare est malade. Comment expliquer que l'ami de Jésus, Lazare, puisse être malade? Et aujourd'hui, quand on dit qu'un homme de Dieu est malade, un chrétien est malade, que des gens spéculent autour de la maladie de leur frère. Ce qui est un homme de Dieu, est malade. Et on refuse de le visiter en disant il a certainement péché. Lazare n'a pas péché, la Bible ne nous dit pas que Lazare avait péché. Il est tombé malade. Mes amis, Lazare vivait dans une ville appelée Béthanie. Et là, dans cette même ville, vivaient Marthe et Marie, ses sœurs. Et Jésus aimait bien fréquenter cette famille. C'était comme une maison de repos pour le Seigneur. Tandis qu'il avait vraiment travaillé, il venait dans cette maison et il partageait l'évangile à Marie. Il pouvait manger les galettes préparées par Marthe. C'était un bel instant pour Marthe et Marie de recevoir Jésus dans leur maison. C'est pendant mes frères. Voici ce que signifie le nom de Béthanie. La maison du pauvre. Cette ville s'appelle la maison du pauvre. Mais c'est dans cette ville que Jésus venait. Dans la maison du pauvre. Vous savez, Jésus peut venir de temps en temps dans ta maison. Et vous pouvez continuer à vivre dans la pauvreté. La pauvreté matérielle. La pauvreté financière. La pauvreté morale. Mais vous êtes riche spirituellement. Mais physiquement parlant, vous souffrez. Pourquoi? Pour oh mes frères, oh bandeko, Béthanie signifie la maison de pauvres. Béthanie, mais quand Jésus rentre dans une ville, dans une maison, il la transforme. Il la régénère. Il bénit cette maison. Vous savez, plein de gens ont reçu la bénédiction de Dieu. Ils souffrent pourquoi? Parce qu'ils refusent d'exploiter leur bénédiction. Ils sont nombreux. Il a 40 ans, il vient encore chez papa et maman. Exhibant ses diplômes. Et malheureusement, il est là. Il vit dans le piaque, c'est un piaqueur. Il n'a rien tout le temps. Et il dit c'est la nation sur le Congo. Mais regardez ces mamans qui vendent leur arachide, parfois nourrissent leur famille. Et nous avons des jeunes gens qui viennent à la chorale, qui viennent au Quilombo, qui sont même devenus des diacres parce qu'on trouve que ces jeunes-là sont motivés, ils ont un bon témoignage, mais qui vivent dans les difficultés les plus énormes. Juste parce qu'ils vivent dans la maison des pauvres. Et Jésus les visite. Ils reçoivent la parole. Et ils donnent parfois même des galettes comme Marthe donnait des galettes. Mais leur ville s'appelle la maison des pauvres. Regarde la maison de ton père. Regarde la maison de ta famille. Considère la maison, considère
derrière ta maison n'est-elle pas la maison des pauvres? Dis-moi qui va changer ta maison. Qui va changer votre statut? J'aime bien quand le chant te dit, je rappelle à Dieu, c'est lui qui doit revoir mon statut. Je n'ai pas dit que c'est ma mère. Je n'ai pas dit que c'est mon père, mais c'est Dieu qui doit revoir mon statut. Mes amis, notre Dieu est un Dieu qui bénit. Quand il bénit un homme, il peut le sortir et le prendre de la boue pour l'élever, mes frères. Ils sont nombreux dans le monde qui chaque jour pensaient être bénis et ils vivaient comme des gens bénis, alors ils souffraient. Et un jour, ils ont découvert le secret de la bénédiction. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé ce qu'ils avaient à portée de main. Ils l'ont exploité. Et aujourd'hui, ils sont devenus une bénédiction pour un monde pluriel. Ils peuvent nourrir leur famille. Ils peuvent nourrir leurs femmes. Ils peuvent nourrir les enfants. Oui, mes frères. Béthanie, la maison de pauvres. Béthanie, ndako. Mais dans cette ville, il y avait un homme que Jésus aimait. Et cet homme est malade. Marthe et Marie ont envoyé des messagers auprès de Jésus lui dire, viens rapidement, car ton ami Lazare est malade. Mais Jésus n'est pas revenu aussitôt. Parce que notre Seigneur fait chaque chose en son temps. Et il fait comme il veut. Oh mes amis, apparemment Marthe et Marie n'ont pas compris cette leçon. Elles ont reproché Jésus-Christ d'être venu en retard. Parce qu'enfin, quand Jésus arrive, Marthe vint dire à Jésus, si tu avais été ici, notre frère Lazare ne serait pas mort, Jésus. Il ne serait pas mort. Il serait pas mort. Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mes amis, si nous avons la foi, la foi est la seule chose qui puisse être la clé qui nous donnera de contempler la gloire de Dieu. Nous pouvons fréquenter l'église de temps en temps. Mais cela ne nous donnera jamais de contempler la gloire de Dieu. Nous pouvons aller au sommet des montagnes pendant les retraites spirituelles. Mais si nous n'avons pas la foi, nous n'allons jamais contempler la gloire de Dieu. Tu peux être pasteur comme moi, prophète, évangéliste, ancien d'église, diacre. Si tu n'as pas la foi, je parle de la foi. La foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je parle de la foi. La foi authentique qui vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Mes amis, oh, pour Jésus, Lazare est en train de s'endormir. Lazare a lalika pongi. Et les gens ne peuvent pas comprendre le langage du ciel. Pierre ne comprend pas. Thomas ne comprend pas. S'il dort, il faut le laisser dormir. Non, Lazare est mort. Et la mort est une fatalité. Il n'y a personne dans ce monde. Dans ce monde inférieur qui puisse donner la solution à la mort.
Même le médecin qui soigne peut mourir un jour. Un jour, je suis rentré dans un village. Nous étions ensemble avec Papa Ngué, c'était à Kibangu. Nous sommes rentrés. Et pendant que nous étions en train de prêcher, j'ai dit, même le féticheur peut mourir. J'ai entendu des gens dire, mais hier seulement, le féticheur du village est mort. Nous étions à Kibangu, Papa Ngué, à côté, à l'hôpital. Et ceux qui venaient pour le consulter étaient là, mais il est quand même mort. Il est mort. Mes amis, Lazare est mort. Il est mort. Et Jésus dit, roulez-moi cette pierre. C'est un impératif. C'est un ordre. Roulez cette pierre. Oh Seigneur. Mais ils sont déjà. Mes amis. Que des fois nos problèmes sont déjà. Allez rencontrer cette femme qui souffrait pendant 12 années consécutives d'une perte de sang. Pendant 12 ans, cette femme souffrait d'une perte de sang. Regardez ici, on va les séparer. Regardez mes amis, pendant 12 ans, son problème sentait déjà, 12 ans, dites-moi, les médecins étaient fatigués de consulter cette femme, les médecins sont fatigués, les gynécologues sont fatigués, les sages-femmes sont fatigués, de quoi souffrait cette femme pendant les 12 années, sa maladie sentait mauvaise. Allez lire les évangiles. Rencontrez cette femme courbée pendant 18 années. Possédée par un esprit d'infirmité. 18 ans de maladie. Possédée par un esprit d'infirmité. Et elle venait de temps en temps dans l'église. Elle venait rendre grâce à Dieu. Mais toujours courbée. Mes amis, qui pouvait délivrer cette femme? Allez rencontrer les 10 lépreux. Certainement, les avaient soignés avant de leur donner de sortir de la société. Et là, mes frères, Martha a réellement raison de dire, ils sont déjà Jésus. Lazare sont mauvais. Lazare sont mauvais. Voici 4 jours qu'il est dans le Sheol. Qu'il est dans le silence de la mort. Oh Jésus, comment pouvons-nous rouler la pierre? C'est un ordre. Roulez cette pierre. Je vais dire à quelqu'un, tu veux te délivrer? Alors voici le secret. Roulez cette pierre. Vous savez, il y a des maladies que nous portons. Le secret de la guérison, c'est juste ta confession. Confesse ton péché. Les médecins pourront palper ton corps. Ils peuvent administrer le meilleur traitement qui puisse exister. Mes amis, ça ne sera jamais la solution. Ça sera sans succès. Confesse ton péché. Confesse ton péché. Et Jésus dit, roulez la pierre. Roule la pierre. Je parle à un homme. Je parle à une femme. Je parle à une famille. Roulez cette pierre. Et dans notre terme, on nous dit, déliez les liens de la malédiction. Délie tes liens. Délie ta malédiction.
Renonce à la malédiction. Renonce à tous ces liens sataniques et démoniaques. Car tu gardais du diable. Qu'est-ce que tu as gardé par derrière toi qui appartient au diable? Vous savez, il y a des gens. Ils sont devenus diacres, mais dans leur maison, il y a encore des choses du diable. Je ne parle pas des fétiches. Je ne parle pas de la magie d'abord. Mais tu sais que dans ta maison, tu as quelque chose que tu as gardé du diable. Si tu gardes ce que tu avais volé jusqu'à aujourd'hui, dis-moi, ce n'est pas du diable ça? Non, demande à ton ami si tu gardes ce que tu avais volé. Demande à ton ami si tu gardes ce que tu avais volé. Non, demande à ton ami si tu gardes ce que tu avais volé. Vous savez, il y a des gens, il a construit sa maison, mais sa maison lui rappelle son vol. Ah, tu comprends pas ce que je dis? C'est-à-dire qu'il avait volé, les gens ont dit qu'il a profité, mais toutes les fois qu'il regarde sa maison, il se souvient qu'il avait volé. Et pendant tout le long de ta vie, mes amis, tu sais qu'il y a des gens, il a usurpé la femme de Troui, mais cette femme lui rappelle qu'il est voleur. Tu ne crois pas? C'est-à-dire que c'était la femme de Troui, et toi tu es venu, tu as volé la femme, tu as gagné. Mais la femme te rappelle que tu es voleur. Il y a des femmes. Il y a des femmes qui savent pertinemment que cet homme qui lui tape tous les jours, elle ne fait pas. Tu vois? Ah, tu ne crois pas? Assalamu atolo. Mes amis, tout ce que tu as pris du diable, il n'y a aucun péché qui ne sera jamais, jamais condamné. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu est clair, il ne balbutie pas avec ses paroles. Ses paroles sont claires, mes frères. Roulez-moi cette pierre. Mes amis, et la Bible dit, Jésus éleva les yeux. Jésus élève les yeux. Il va appeler Lazare. Lazare! D'une forte voix, il appelle Lazare. Lazare! Sors de la tombe! Bima nankunda. Sors! Bima. Oh, j'aime bien mon Jésus. Il ordonne même aux morts de sortir. Je n'ai jamais vu un médecin ordonner à un mort de se réveiller. Il y a 3 ou 4 jours, nous étions à l'hôpital, n'est-ce pas? J'ai vu les médecins, les grands médecins. Et quand ils sont passés avec un malade devant nous, j'ai bien vu le malade qui était en train de bouger. Et il est passé. Et ensemble, nous étions en train de dire que Dieu lui accorde sa grâce. Et immédiatement, j'ai vu un médecin courir. Il est allé prendre, je ne sais pas comment on appelle cette machine, pour aller ranimer le malade. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre médecin est passé en courant, il est allé prendre, je crois, l'injection pour aller injecter le malade. Et quelques minutes qui suivaient, j'ai vu les médecins passer tour à tour, tout était déjà fini. Et nous étions tous en colère. Notre colère parce que nous n'avons pas compris qu'on puisse amener un mourant de l'autre côté, mais il n'y avait aucune machine, il fallait faire des va-et-vient. Je crois que j'ai dû prononcer des paroles qui n'étaient pas bien parce que j'étais vraiment en colère. Mes amis, Lazare est mort. Lazare. Jésus appelle.
Lazare en son nom. Comme encore aujourd'hui, il appelle chacun de nous en son nom. Il appelle Jacques en son nom. Il appelle André en son nom. Il appelle Carole en son nom. Il appelle Karine en son nom. Il appelle chacun de nous en son nom. L'entends-tu? Est-ce que tu entends la voix du Seigneur? Est-ce que tu entends le Seigneur qui nous appelle? Lazare a entendu la voix. Alors qu'il était dans le silence de la mort. Il a entendu la voix. Lazare qui était déclaré mort par tous les médecins. Mais il entend la voix. Waouh. Elohim. Nzambe. Adonai. Nkolo. Jehovah Jireh. Mokoki Sinabila. Hashanai. Nzambe Nanguya. Oh Dieu Tout-Puissant. Atonema Nanguya Nyos. Il peut parler à un mort et le mort entend. Comment expliquer que les vivants, Dieu parle, les vivants n'entendent pas? Comment expliquer que ceux qui fréquentent l'église, Dieu est en train de parler, ils n'entendent pas? Alors que Lazare qui est dans le tombeau, dans le Sheol, dans le silence de la mort est en train d'entendre. Comment peux-tu expliquer, voici 10 ans que tu es dans l'église, voici 5 ans, tu n'as jamais entendu la voix du Seigneur. Cette voix qui nous donne la foi authentique. Cette voix qui nous ordonne d'aller saisir la bénédiction que Dieu a voulu pour nous. Cette voix qui nous appelle à la vie, qui nous appelle à une nouvelle existence. Comment tu n'entends pas la voix du Seigneur? Et si tu n'entends pas cette voix, comment peux-tu espérer changer radicalement? Comment est-ce que tu peux changer? Comment est-ce que tu peux marcher vers ta destinée? Comment est-ce que tu peux marcher vers ta bénédiction? Lazare! Et Dieu appelle encore André! Il appelle Stéphanie. Est-ce que tu entends la voix du Seigneur qui nous appelle au milieu de ce siècle? Lazare a entendu la voix. Lazare, mes amis. Baninga. Et Jésus dit à Lazare. Sors de la tombe. Bima nankunda. Il sortit. Mowe abimi. Pleinement en vie. Il est sorti pleinement en vie. Il respire. Lazare est sorti, mes amis. J'ai une belle nouvelle, une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un ce soir. Mon frère, je t'annonce cette bonne nouvelle. Lazare qui était mort est ressuscité. Ah, c'est qui? Il n'est plus mort. Il est en vie. Dis à celui qui a tes côtés, j'adore, je t'accorde, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Dis-lui, je t'annonce une bonne nouvelle. Lazare est ressuscité. Lazare a sécu. Waouh! David a raison de dire que les œuvres de Dieu sont admirables. David, les œuvres de Dieu sont redoutables. Mes amis, il arrive de moi quand je vois les œuvres de Dieu, quand j'entends les œuvres de Dieu, j'ai envie de danser. Donc même si tu forces là, on sent que tu chantes faux, tu danses faux, tout est faux, c'est pas possible. C'est-à-dire que, papa, quand le pasteur dit, faut danser, faut regarder comment lui-même il marque les pas. Vous allez dire, ah, pasteur, laisse seulement. C'est-à-dire que Yanzambi, Kalengeme Taliao, Singe Bin Vetu suspect. Oyanzambi, Soki Omoni, Obinite, Ozana de Kama. Ça dit que j'ai envie de sauter, de courir, de crier dans le monde entier. De sauter. De déchirer mon corps.
Parce que les œuvres de Dieu sont grandes. Oh Dieu Tout-Puissant, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'acclamer? Lazare est ressuscité. Lazare est sorti du tombeau. Quelle bonne nouvelle annoncée au monde qui est en train de mourir du péché. Cependant, mes frères, Lazare qui est sorti du tombeau est sorti, mes frères. Il sort avec des éléments de la mort. Il est vivant, mais il ressemble encore à un mort. Parce que ses pieds sont liés, ses mains sont liées, et même ses yeux sont encore voilés. Lisez bien ce texte, mes frères. La Bible dit, et la mort et le mort sortit les pieds et les mains liés de bandes. Et le visage enveloppé d'un linge. Il est sorti du tombeau, mais il portait encore les éléments de la mort. Et ils sont nombreux, des chrétiens. Réveille ce frère. Des chrétiens, ils sont nombreux. Et pourtant, ils sont diacres. Et pourtant, ils sont pasteurs. Et pourtant, ils sont prophètes. Et pourtant, ils sont anciens de l'église. Et pourtant, ils sont là. Ils chantent au kilombo, ils chantent à la chorale. Mais ils ont encore des éléments de la mort. Ils ne sont pas dans le tombeau. Non, ils ne sont pas dans le tombeau, ils sont dans l'église. Ils ne sont pas dans le tombeau. Ils sont dans l'église du Seigneur. Mais ils ont des éléments de la mort. Les pieds sont liés, les mains sont liées, le visage est encore enveloppé. Ce sont là ce qui montre, ce sont des éléments qui montrent que cet homme est mort. Mais Lazare est réellement vivant. Il est vivant, il respire. Il a entendu la voix du Seigneur qui l'a appelé à une nouvelle existence. Alors pose-toi la question. Suis-je mort ou vivant? Est-ce que mes pieds sont libérés? Est-ce que mes mains sont libérées? Est-ce que mon visage est libéré? Et ils sont nombreux dans ce monde qui ont des pieds liés, qui ont des mains liées, qui ont des visages enveloppés par des voiles sataniques et démoniaques. Et le Seigneur déclare, déliez-le, déliez les liens, déliez la malédiction, mes amis, que des familles chrétiennes sont encore liées, des familles chrétiennes liées par le diable, mais ils chantent. Il prêche, il prophétise, il prophétise, mais ils sont liés, les pieds sont liés, les mains sont liées, le visage est enveloppé. C'est une malédiction. Ils vont sortir de cette malédiction. Dis à ton ami, sors de la malédiction. Dis à ton ami avec foi, sors. Mes amis, ils sont nombreux dans l'église. Je ne parle pas des païens. Je ne parle pas des païens. Je parle de ceux qui sont amis de Jésus. C'est dont Jésus a témoigné qu'il les aime réellement. Comme Lazare. La Bible dit que cet homme, Jésus, l'aimait. Toute la ville de Béthanie pouvait témoigner que Jésus aimait Lazare. Et d'ailleurs, quand Jésus est arrivé, les gens de Béthanie ont dit, lui qui fait des grands miracles, comment est-ce que son ami Lazare peut-il mourir? Comment
Quand on était au CBE, on a chanté, je ne chante pas parce que je ne sais pas chanter. Dans la kina CBE, tu es mbaki. Batu banza, beti tu you vola. Pila kinza, beki keti tu wilako. Tangu zazo, tu eti bokanga. Bwe tu nasa, mukite zoki. Les gens qui vivent ensemble avec nous nous regardent. Et pourtant, ils prophétisent. Et pourtant, il y a une médaille à Moukeng. Et pourtant, mais pourquoi sa vie ne change pas? Les gens du monde nous regardent. Ben mon kili bazota là. Tandis que nous partons au marché. Tandis que nous sommes en train de vendre. Tokoteka. Au lieu de service. Esika mosala. Tandis que nous sommes en train de témoigner. Tozota tola. Dans nos familles. Na mabota na biso. Ils s'interrogent. Bagotlo bala sese. Batubanza beti tu yuvula. Bila kinza meki keti tu wila ko. Tango zazo, tweti bokanga, bwe to nasa, mukite zoki. Qu'allons-nous faire, Seigneur? Nous avons des liens, des pieds liés, des pieds liés, des mains liées, le visage voilé, le visage enveloppé. Oh Seigneur, Jésus dit, déliez-le. 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 Que des familles chrétiennes doivent être déliées. Et vous entendrez des théologiens disent, non, Jésus est mort à la croix. Est-ce que les gens ont encore besoin d'être déliés? Faux. Batu bakulu ba ete. Yesu akufanga ne kulusu. Batu bana posa lisusu bakata ko basinga lokuta. Des prédicateurs de la bonne aventure qui veulent divertir les gens. Faux! Jésus donne un impératif. Déliez-le! Déliez! Ils sont nombreux, mes frères, qui fréquentent l'église, qui ont des pieds liés, qui ont des mains liées, qui ont des visages enveloppés. Des visages enveloppés. Et il ne peut pas voir et contempler la gloire de Dieu. Il chante la gloire de Dieu, mais il ne voit pas la gloire. Il ne voit pas la gloire. Mes amis, Lazare doit être délié. Il nous faut être délié. Les liens sont plusieurs aujourd'hui. Les liens de la vie sont plusieurs. La malédiction, mes amis, on peut les compter. Dieu vous a mené rencontrer un homme appelé Jacob. Mais que signifie Jacob? Celui qui supplée. Non, celui qui supplante. Celui qui supplante. Mais qu'est-ce que supplanter? Supplanter signifie, lorsque tu regardes, ça signifie escroquerie. Celui qui escroque. Supplanter, c'est la duplicité. Et c'est le nom qu'on avait donné à Jacob. On a donné à Jacob quand il est né. Son papa a dit, je vais l'appeler Jacob. C'est-à-dire celui qui escroque. Celui qui vit de la duplicité. Maintenant, regardez la vie de Jacob. Il a usurpé le pouvoir de son frère Esaü. Mes amis, ils sont nombreux. Rien que le nom qu'il porte le condamne.
D'autres ont pris les sobriquets quand ils étaient jeunes. J'ai l'un de mes petits frères, et je ne sais pas s'il m'entend, mais s'il va écouter après, il va entendre. Et un jour, il s'est réveillé lui-même. Il a dit, maintenant, j'ai changé mon nom. Mon nouveau nom, c'est Balle Perdu. Balle Perdu. Alors, regardez quelqu'un qui s'appelle Balle Perdu. Ça veut dire que tu deviens dangereux. Dangereux. Dis-moi, ton petit nom, c'est quel nom? Tout le monde t'a baptisé par quel nom? Mes amis, Baninga. Jacob s'appelle celui qui escroque. Et il a escroqué, mes frères. La loi d'Amourabi, la loi avait prévu que celui qui reçoit laisse le premier-né. C'est la loi, mes frères. La loi doit être respectée. Mais lui, par sa malice, il a pris la place de son frère. Quelqu'un dira, Esaou avait vendu. Je m'en fous s'il avait vendu. Mais la loi, c'est la loi. La loi dit que c'est le premier qui reçoit l'héritage. C'est la loi. Et lui, il est venu auprès de son papa. Il a même regardé des gens qui sont vraiment voleurs. Il prend même la voix de son frère. Il a pris quelques poils du chameau, il a mis sur ses bras pour dire qu'il était venu comme son père. N'est-ce pas le vol, ça? N'est-ce pas un escroc? Est-ce qu'il n'y a pas des escrocs dans l'église? Est-ce qu'il n'y a pas des escrocs au milieu de nous? Ils sont nombreux, des escrocs. Ils sont nombreux. L'escroquerie. Que des femmes n'ont pas le mariage parce que dès le premier jour qu'il a connu le premier garçon, elle a commencé par l'escroquer. L'escroquerie. Ils sont nombreux qui vivent dans l'escroquerie. Et Jacob avait escroqué. Et le Seigneur dit ce soir, déliez-le. Il a fallu que Jacob rencontrât l'ange de l'Éternel. Et il a lutté toute la nuit. Il a lutté. Il a lutté. Comment est-ce possible que toutes les fois que tu vas dans les retraites spirituelles, tu n'as jamais lutté ensemble avec Dieu? Comment est-ce possible? Jacob a lutté. Jacob a bondi. Et l'ange lui a dit, Jacob, ange lui a lobi. Comment est-ce qu'on t'appelle? Comment la yonani? Même l'ange était fatigué. Ata ange lui motawe kotelie. L'ange était fatigué. L'ange regarde, c'était déjà l'aurore. Il dit, ah Jacob, libère-moi, je veux partir. Amoni tongo tongo zakoye a lobi tika ngala ken. Jacob le retient. A kangiene lamba. Il dit, si tu ne me bénis pas, soki o pambo lingate, je ne laisserai jamais t'en aller. Nako tika yo kendete. Waouh. Si tu ne me délies pas, si tu ne me délies pas, ah, je vais entendre quelqu'un dire, Dieu, si tu ne me délies pas, si tu ne me délies pas, je ne vais jamais sortir de ce moment de prière. Et l'ange a dit à Jacob, je vais maintenant te délier. Tu ne t'appelles plus Jacob. Tu t'appelles Israël. La force de Dieu. Tu as lutté avec Dieu et tu as vaincu Jacob. Il a été délié. Et la parole déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de venir enfant de Dieu. Vous savez, nous sommes nombreux qui venons à l'église mais qui n'ont pas encore reçu le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu.
Nous sommes encore liés. Liés. Il faut que les liens de la malédiction soient déliés. Mes amis, les liens ancestraux doivent être déliés. Oh mes frères, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a des liens que nous avons hérités de nos pères. Allons rencontrer Abraham. Abraham a eu pour fils Isaac. Mais Isaac a hérité un lien d'Abraham. Et nous sommes nombreux qui avons hérité de nos parents des liens. Quand tu lis dans Genèse 26, tu vas te rendre compte qu'Isaac va commettre la même bêtise que Abraham. Abraham a une très belle femme. Sa femme s'appelle Sarah. Et il y avait une grande famille là où il vivait. Et il a fui en Égypte. Et là, il a eu très peur parce qu'il se disait, ma femme est très belle. Et quand on lui demanda, est-ce que c'est ta femme? Il a dit, non, c'est ma sœur. Le mensonge. Il y a plein de gens qui ont hérité du mensonge. Son grand-père était menteur. Sa grand-mère menteuse. Sa maman menteuse. Et même lui est un menteur. Mais ils viennent à l'église tous les jours. Regardez à Isaac. Dans Genèse 26. Là où il vivait, il y avait une grande famine aussi. Les choses se répètent. Alors voici ce que va dire Isaac. Je vais fuir en Égypte. Je lui dis, ne va pas en Égypte. Ne va pas en Égypte. Sinon, tu vas commettre les mêmes choses que ton père quand il était en Égypte. Moi, je vais te bénir. Je serai avec toi. N'aie pas peur. Mais Isaac a faim. Alors, il va faire quoi? Il fuit à Guérar. Il va à Guérar. Et là, sa femme Rebecca est très belle. Il regarde Rebecca. Il dit, on va me tuer. Et lui aussi, il va dire, ce n'est pas ma femme, c'est ma sœur. Ce sont des liens. Dis à ton ami, ce sont des liens. Dis, ce sont des liens. Il y a des gens qui ont ces liens. Mes amis, sa maman était violée. Sa sœur était violée. Et elle aussi, elle est tombée dans le viol. Comment pouvez-vous dire que c'est un hasard? Ce n'est pas un hasard. Ce sont des liens. Ce sont des liens sataniques. Il faut délier ces liens. Comment pouvez-vous expliquer? Sa maman a eu des enfants hors foyer. Sa grande sœur aussi. Et toi, à ton tour, c'est la même chose. Comment l'expliquer? Comment expliquer que tous les enfants de votre famille vont au mariage et reviennent toujours à la maison? Comment expliquer? Comment expliquer? Comment pouvez-vous expliquer que tous ceux qui ont des emplois chez vous et un jour on finit toujours par les remercier? Le Seigneur dit, déliez-les. Comment expliquer? Votre papa a fait son examen deux fois. Et ton grand frère deux fois. Et à ton tour, bientôt, tu vas aussi faire l'examen deux fois. Mais c'est quel principe? Le Seigneur dit, déliez-les. Comment expliquer que tout le monde meurt à 45 ans? Comment expliquer que tout le monde a toujours une intervention chirurgicale? Comment expliquer que tout le monde doit donner naissance par césarienne? Est-ce que c'est une maladie contagieuse? On a un maman pasteur qui a fait la santé ici. Maman pasteur, est-ce que c'est contagieux que toutes les femmes de la famille puissent faire des naissances par césarienne? Est-ce que c'est contagieux, maman pasteur? Ezalité
Alors comment expliquer? Maman par césarienne. La tante par césarienne. La grande par césarienne. Et toi aussi, on a l'envie de l'Eucharistie par césarienne. Délier ce lien. Délier ce lien. Délier-le. Mes amis, comment l'expliquer? Alors, un homme de Dieu appelé Daniel a compris la leçon. Quand vous lisez dans Daniel 9, il commence par confesser le péché d'Israël. Il dit, nous avons péché. Nous avons péché. Il y a tant de péchés que nous avons commis depuis notre jeune âge. Et ces péchés nous réclament. Ces péchés nous réclament. Ces péchés nous réclament. Un péché qu'on n'a pas confessé n'est pas pardonné. Il faut demander pardon à ce péché. Demande pardon. Demande pardon. Mes amis, comment expliquer qu'une de tes filles était morte par le sida? Et une autre encore. Comment expliquer? Comment l'expliquer? Jésus dit, déliez-le. 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 Je ne parle pas aux païens. Je parle aux chrétiens qui témoignent que Jésus même, comme Lazare pouvait l'attester, et toute la contrée, la ville de Béthanie pouvait attester que Jésus aimait Lazare. Combien les chrétiens parfois chantent, je suis heureux car Jésus m'a pardonné. Mais c'est pendant, quand les gens du monde regardent et considèrent comment est-ce que tu vis, ils s'interrogent, pourquoi est-ce que tu as ces liens aux pieds qui t'empêchent d'aller vers ta destinée, qui t'empêchent d'aller vers le lieu où Dieu a destiné pour toi. Et quand il regarde tes mains, oui, le symbole de notre ouvrage, de nos activités, et il voit bien que tes mains sont liées. Toute la journée d'aujourd'hui, tu n'as pas travaillé. Alors que le Seigneur a dit à l'homme, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et toi, tu ne veux pas travailler. Pourquoi? Parce que tes mains sont liées. Et ceux qui te voient à l'église s'interrogent, pourquoi est-ce que tes mains ne produisent pas? Et ils voient ton visage voilé, enveloppé. Et ils s'interrogent, comment est-ce possible qu'il chante la gloire de Dieu alors qu'il ne peut pas contempler la gloire de Dieu? Le Jésus que nous prions a saisi, a touché les yeux de Bartimée. Et Bartimée dit, je vois maintenant. Déliez-le. 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 Je vais terminer mon message. Lève-toi. Lève-toi. Ce soir, chacun de nous.